Les Bad Blue Boys sont devenus une pierre importante du mur de l'histoire de la patrie au damier rouge et blanc. Ultra chaud et politisé, adepte de la pyrotechnie, du virilisme et suiveur du Dynamo Zagreb, que ce soit en football, en basket, en hand, comment ce groupe s'est-il construit et quel rôle les BBB ont-ils joué dans la défense de la Croatie et de l'identité croate? Épisode 3 d'Ultra Politique, c'est parti générique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et le troisième épisode d'Ultra Politique. Et on se rend aujourd'hui en Croatie, du côté du Dynamo Zagreb et des Ultras, des Bad Blue Boys, les BBB. Mais avant que la vidéo commence, deux choses importantes à vous dire. D'abord, si vous avez envie, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche et à commenter. C'est gratuit, c'est un immense soutien pour moi et ça me donne beaucoup de force de continuer. Et ensuite, petit disclaimer concernant Ultra Politique. J'ai conscience que lorsqu'on parle de politique, on va vers un terrain glissant, un peu difficile à aborder, mais je tiens à préciser une chose, je ne suis pas une chaîne politique. Moi, ce que je fais, c'est parler football, d'un autre point de vue. Je l'ai toujours dit depuis que je me suis lancé, mais j'aime beaucoup le football hors du rectangle vert, hors du terrain. Donc quand je fais cette série, c'est pas pour être un moralisateur politique, c'est pas pour vous dire quoi penser, ça c'est votre avis, c'est privé, ça me regarde pas. Ici, sur la Rien à Foutre, il n'y a pas de promotion, d'approbation, et je fais pas la critique non plus. Je présente des faits, objectifs et mesurés, comme on l'a fait pour la Lazio, avec beaucoup de mesures, mais aussi beaucoup de réalisme, parce qu'il y a des faits qu'on ne peut pas nier. Il n'y a pas de propagande, il y a juste des faits. Si vous voulez que cette série perdure, ça demande aussi qu'on prenne un peu de recul et de nuance, c'est important. Et pour ces travaux, les sources sur lesquelles je m'appuie, en plus de mes connaissances personnelles, c'est des sources d'historiens, d'universitaires et de chercheurs, donc vérifiez, précision importante. Parenthèse terminée, les amis, on peut commencer. Et comme vous l'avez compris à l'intro, on se rend en Croatie pour aller chez les Bad Blue Boys du Dynamo Zagreb. Alors, j'en avais déjà un peu parlé lors de mon zoom sur le foot en Croatie il y a quelques mois, je vous invite à aller le voir d'ailleurs, petite fiche en haut à droite. Mais j'ai quand même envie de rentrer plus en profondeur dans ce sujet, il y a beaucoup de choses à dire et on va plus se focaliser dans cette vidéo sur l'aspect historique des Bad Blue Boys que l'actualité récente, c'est un choix de ma part, mais on parlera rapidement des BBB en 2023 en fin de vidéo. L'occasion pour moi de faire un petit encart sur ce super ouvrage du docteur en sciences politiques Loïc Trégourès, spécialiste des Balkans, Le football dans le chaos yougoslave, sorti en 2019, il me semble, un livre qui m'a beaucoup aidé, qui est vraiment complet. Je vous le conseille vraiment. Commençons par l'origine. Le Dynamo Zagreb est un club croate fondé en 1945 par les communistes yougoslaves, puisqu'à l'époque, après la Seconde Guerre mondiale, les Croates font partie de cet ensemble fédéral, plurinational et multiethnique qu'est la République fédérative socialiste de Yougoslavie. Le Dynamo Zagreb évolue donc dans la grande majorité de la deuxième partie du XXe siècle dans le championnat yougoslave, que le club gagnera 4 fois dans son histoire, loin derrière l'étoile rouge qui en aura gagné 19. Dans les années 60-70, il y a une grosse révolution qui germe en Europe dans les stades de football, c'est l'arrivée des mouvements ultra, surtout en Italie. Et dans les années 80 vont se développer les groupes ultra un peu partout en Europe, notamment en France. Par exemple, vous avez le Commando Ultra de Marseille en 1984, la Brigade Sud à Nice et les Boulogne Boys en 1985, les Ultramarines de Bordeaux, les South Winners et les Bad Guns qui naissent en 1987, et j'en passe. Bref, ce sont des années de création, d'implantation du mouvement ultra. Et en 1986, en Croatie, dans le stade Maksimir de Zagreb, vont naître les Bad Blue Boys. Le nom provient d'une inspiration cinématographique et du film Bad Boys, sorti en 1983 avec Sean Penn, que vous connaissez peut-être, et un leader du groupe affirme qu'il y a aussi une référence aux hooligans de Chelsea dans les années 80 qui était assez important, d'où le nom Blue. Et très vite, les BBB vont se tourner vers le modèle anglais du supporterisme, avec un peu plus de pratiques hooligans qui sont très développées dans ces années-là, alors qu'à l'inverse, la Torcida Split, l'autre grand courva croate du club du Hajduk Split, va plus se rapprocher du modèle italien. Donc voilà, ce groupe est né, il va encourager le Dynamo Zagreb dans la tribune nord, et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Elle ne fait que commencer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Bad Blue Boys naissent à une période de turbulence en Yougoslavie. Pour vous simplifier les choses, la mort de Tito en 1980, qui avait le pouvoir pendant plus de 30 ans, a commencé à déstabiliser le pays et les aspirations nationalistes, qu'elles soient serbes, albanaises ou croates, ont commencé à se diffuser et à s'entrechoquer. Dans le cadre du Dynamo, c'est à ce moment-là que les supporters commencent, notamment par l'attitude, à manifester des positions anti-serbes. La politisation du Maksimir va croître après la création en 1989 du parti nationaliste croate, le HDZ, dirigé par le futur président de la nation croate,
Tudjman. Très vite, le virage des Bad Blue Boys va s'emparer des causes nationalistes, va soutenir Tudjman et le nationalisme croate, un nationalisme anti-serbe et qui devient dangereux pour les Serbes de Croatie. Ce message sera également porté par la Torcida de Hajduk Split, pourtant rival du club du Dynamo. En 1990, année charnière, on a donc les deux grands groupes ultra-croates qui revendiquent des positions résolument nationalistes et indépendantistes pour le HDZ. L'une des plus grandes représentations de l'avancée de ce nationalisme, c'est aussi l'arrivée du damier croate en tribune. Bref, les Bad Blue Boys vont devenir un des représentants en tribune de la croacité, l'identité croate. On arrive en mai 1990 et on va vivre l'un des moments les plus connus de l'histoire du foot dans les Balkans, que vous connaissez peut-être, c'est une des grandes illustrations des conséquences historiques et politiques que peut avoir le foot. C'est cet affrontement entre le Dinamo Zagreb et l'Étoile Rouge de Belgrade au stade Maksimir, entre les deux plus grandes équipes sportivement de la Yougoslavie à cette période. La tension politique et sociale est palpable vu que le nationalisme croate soutenu par les BBB se développe rapidement et les visiteurs serbes sont venus en nombre. Le match est à haut risque. Les chants et répliques nationalistes fusent dans les travées, Zagreb et Serbe chantent les supporters de l'Étoile Rouge de Belgrade, réponse violente des Croates, des affrontements ont lieu en tribune, des sièges sont arrachés, lancés, les projectiles volent. Sur le terrain, c'est la pagaille également entre joueurs et forces de l'ordre. Zvonimir Boban, joueur croate de 21 ans du Dynamo, se fait remarquer après avoir asséné un coup de pied à un policier yougoslave. Ce geste devient la représentation du croate qui dit non à l'autorité yougoslave. Boban devient héros national pour certains, les journalistes croates glorifient son geste et le voient comme le premier coup porté à la Serbie. Alors qu'on est seulement à 3 semaines de la Coupe du Monde en Italie que joue la Yougoslavie, Serbes et Croates, appartement techniquement toujours au même état, se déchaînent dans une enceinte de football. Et c'est une idée qui va être développée dans le livre de Trégourès, c'est la mort symbolique de la Yougoslavie dans le stade de football, qui devient son tombeau. Bilan, match qui n'a jamais été joué, des centaines d'arrestations et de blessés, et un état qui se meurt de l'intérieur. 10 mois plus tard commençait la guerre de Croatie. Ces événements-là ne sont pas le coup d'envoi de la guerre, mais ils instaurent un réel climat de fracture, un point de non-retour. Le rôle des Bad Blue Boys est à mentionner, puisque certains ont pris part aux affrontements, certains sont allés agresser, défier ou répondre aux Serbes en tribune. Et par la suite, avec la guerre de Croatie qui mènera à l'indépendance du pays, beaucoup d'ultras des Bad Blue Boys vont combattre, être mobilisés et rejoindre l'armée. Il y a une sorte de lien très fort entre la militarisation et ces groupes de supporters. Et pour preuve, le logo du Dynamo est utilisé sur les treillis de l'armée comme symbole de ce que représente le club pour la Croatie. Avec la guerre, la violence, les affrontements et donc les morts, on rentre alors dans une forme d'enjeu mémoriel puisque plusieurs Bad Blue Boys mourront au combat. Une stèle est installée pour honorer la mémoire des supporters du Dynamo tombés pour la Croatie. Pour les Bad Blue Boys, le premier pas dans la guerre, c'est eux qui l'ont lancé le 13 mai 1990 au Maksimir. Après la guerre, la Croatie devient indépendante. Il n'empêche que les Bad Blue Boys vont toujours avoir un rôle contestataire, y compris à la compte de Tudjman, puisque les Bad Blue Boys vont rejeter le changement de nom du club voulu par ce dernier qui voulait effacer l'héritage communiste du nom Dynamo Zagreb. La Croatie est aujourd'hui un pays qui a tourné le dos à la guerre, où la fierté nationale et le patriotisme restent encore très forts, mais c'est un pays intégré à l'Union Européenne, démocratique. En revanche, Hrvoje Pernjak, un auteur spécialiste des Bad Blue Boys, affirme qu'il y a toujours un héritage de ces années 90 des enfants de la Yougoslavie, comme on les a appelés. Ceux qui étaient des jeunes BBB dans les années 90 sont aujourd'hui des cinquantenaires, des pères de famille. Il y a encore une sorte de fabulation, une sorte d'éducation faite via le prisme du « eux contre nous », le poids de l'histoire. Et c'est pourquoi même des jeunes qui n'ont pas connu ces périodes difficiles alimentent encore un esprit nationaliste. Avant de terminer cette vidéo, comme je vous l'ai dit en intro, que sont les Bad Blue Boys sur ces dernières années? Ils n'ont pas tourné le dos à l'esprit de contestation, y compris contre des personnages de leur club. Pendant des années, un profond conflit a duré entre les Bad Blue Boys et le sulfureux président du Dynamo, Zvratko Mamić, le parrain du foot croate, qui souhaitait par-dessus tout affaiblir les ultras du Dynamo. La révolte s'est orchestrée par des vagues de manifestations et des opérations de boycott dans le stade. Mamić quittera le poste de directeur du Dynamo en 2016. Politiquement, les Bad Blue Boys restent un groupe très très nationaliste. Certains ont toujours été proches des idées des Ustachis, le parti nazi croate de l'entre-deux-guerres, et les images du groupe déambulant salut fasciste à Milan en 2022, avant le match de Ligue des Champions, avaient beaucoup choqué.
Le groupe prend encore des positions politiques, notamment une qui revient ces derniers temps, c'est le soutien à l'Ukraine, via des messages d'appui, ici, et quelques drapeaux, ou via un grand tifo aux couleurs ukrainiennes, c'était en mars 2022, réalisé par les 1400 supporters du Dynamo en parcage. Dans les méthodes, les Bad Blue Boys restent encore un groupe très violent, fidèle à la tradition hooliganiste qui les a vus naître en 1986. En 2012, des violents affrontements ont lieu avec des supporters du PSG avant un match de C1. Ils ont menacé de mort un ancien joueur parti à Split, menacé de mort des journalistes, ou attaqué un bus du PAOK en 2010. Les ultras du PAOK étant très proches des gros baris du Partizan, club serbe. Bref, ce sont des supporters très violents que l'UEFA surveille beaucoup. Quand les Bad Blue Boys se déplacent, c'est toujours considéré à risque, c'est toujours un groupe qui se mobilise assez massivement et qui inquiète. À Milan, par exemple, en septembre dernier, ils avaient même fermé une très grande partie de la cour Vanor car les Croates étaient positionnés dans le parcage en haut. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bien évidemment, il y a beaucoup de résumés et de vulgarisation pour vous permettre de comprendre ce sujet qui n'est pas forcément simple, mais il est possible de rajouter plein de choses, surtout en concernant l'ex-Yougoslavie. Voilà, des suppléments. Donc je vous laisse les commentaires si vous connaissez plein de choses. N'hésitez pas à partager aux autres et puis à m'en faire profiter aussi, puisque j'apprends beaucoup de choses grâce à vos commentaires. Donc c'est sympa. N'hésitez pas bien sûr à soutenir, comme je vous l'ai dit, à proposer également aussi des petits groupes, pourquoi pas, pour les prochains épisodes. J'en parlerai avec plaisir. Passez une belle semaine à partir de demain. Prenez soin de vous. Et profitez des vôtres. Allez, ciao, ciao.